Yo, what's up les gars, comment ça va? Pour ma part, ça va bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, c'est juste une petite vidéo pour vous parler de certains éléments par rapport aux zombies, de nouveautés qui sont en train d'arriver actuellement, parce qu'il y a certains trucs qui ont été trouvés en fait aujourd'hui qui sont plutôt massifs et je voulais vous les partager en une seule même vidéo plutôt que faire plusieurs vidéos d'un coup. Donc j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant et c'est trois choses que j'ai adoré. Donc déjà pour commencer, la gourde d'élément 115 et les bougies sur Grotte Crevy, qu'est-ce qu'on devait faire avec ça? Vu qu'on savait, c'était vraiment assez flou en fait ce qu'il fallait faire. Et en fait, les personnes avaient raison, c'était pour améliorer les singes et les obtenir gratuitement. Donc comme je l'ai dit, une version améliorée. Donc il y a les bougies à ramasser et puis il y a certains endroits où est-ce que les bougies seront. Il faut tirer avec le bouclier de Fafnir à ces endroits et ça va allumer les bougies. C'est vraiment super simple. Et ensuite, il faudra débloquer la gourde d'élément 115. Aussi simple que ça. Le gameplay devant vous, c'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est le premier qui l'a trouvé. Donc grosse dédicace à lui. C'est vraiment lui qui est le premier sur le coup. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne, bien évidemment, dans l'espace des commentaires ou dans la description. Parce que c'est lui qui l'a trouvé. Donc si vous voulez vraiment un tuto vite fait, c'est tirer aux endroits qu'il a indiqué avec le bouclier, puis ramasser le pot de fleurs après. Dont on ne savait pas également ce qu'il fallait faire avec. J'ai pas compris vraiment en quoi un pot de fleurs a une liaison avec les singes et comment ça peut les améliorer. J'ai juste pas vraiment compris. Donc il y a différents endroits où est-ce que les bougies peuvent spawn. Il faut que tu tires avec le bouclier dessus. Deuxième partie, c'est obtenir la gourde d'élément 115. Donc ça, je l'avais dit dans une vidéo, c'est une quarantaine ou une cinquantaine. C'est pas vraiment sûr, je pense que c'est une cinquantaine de kills avec les bombes singes. Donc c'est pas non plus très facile parce que les singes ça tue pas beaucoup de zombies, ça tue 6-7 zombies, elle en mange 7 ou 8. Donc ce que je vous conseille de faire si vous voulez faire ça, c'est de prendre la gobble gum de mort instantanée ou tout simplement avoir un mort instantané. Donc vous avez un mort instantané devant vous, vous en profitez, boum, petit mort instantané, ça tue tous les zombies qui sont attirés. Ça veut dire ça peut tuer une quinzaine ou une vingtaine de zombies, et ça peut se faire super facilement avec 3 singes. Si vous avez des morts instantanées, que vous êtes opportuniste et que vous avez de la chance, ça peut se faire super, super, super easy. Et franchement, c'est top. Vous pouvez aussi prendre la gobble gum qui vous permet d'avoir des boîtes à 10. Ça vous facilite aussi la tâche. Il y a également donc la gourde d'élément 115 ou la flasque qui va drop. Et c'est super simple. Une fois que vous avez tout ça, vous vous rendez au spawn devant la tombe des challenges. Une fois que vous êtes devant la tombe des challenges, ce que vous faites, c'est que vous lancez un singe devant la tombe, juste devant la tombe. Il n'y a pas un endroit précis, il semblerait, c'est juste devant la tombe qui vous appartient, à vos challenges, et vous cliquez carré ou X devant pour interagir, et les singes vont spawn. Une version améliorée et gratuite vont spawn. C'est vraiment, vraiment, vraiment con. C'est vraiment con. J'arrive pas à croire que personne ne l'ait trouvé avant. En tout cas, c'est vraiment cool. Pour revenir à ce qu'il y a, c'est sur Shadows of Eden. Il semblerait que Treyarch ait fait des petites modifications, et c'est super top. Ils nous ont modifié le servant d'Apoticon, ils lui ont mis plus de munitions, il semble là. Donc il y a quelqu'un sur PC qui a remarqué ça tout à l'heure en utilisant les mod tools de développeurs, donc les tools de développeurs sur le jeu pour pouvoir obtenir l'arme gratuitement. Et il semblerait qu'ils aient augmenté son nombre de munitions, comme on ne peut pas l'améliorer sur Shadows. Je pense que sur Revelations, quand on l'améliore, c'est 1,14 le nombre de munitions ou 1,13. Ils ont fait ça sur Shadows, donc ça je trouve ça vraiment cool. En plus, j'allais faire un top 5 des meilleurs Wonder Weapons, je savais pas où mettre le servant et ils lui ont mis plus de munitions, donc c'est juste top, 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 top. J'ai mis un tweet en plus récemment, ce serait top si Treyarch revenait sur Shadows of Eden faire des modifications pour améliorer le servant d'Apoticon. Et ils le font, je sais pas s'ils m'ont entendu, mais ils l'ont fait, c'est vraiment trop cool. Ils retournent sur les anciennes cartes, modifient des trucs, donc on sait jamais ce qu'il peut y avoir, comme on l'a dit. Est-ce que le super historique peut arriver après la sortie des maps sur Xbox et PC? On verra bien, plus qu'une semaine, donc on verra bien. Et puis finalement, sur Grotte Crevy, il semblerait qu'il y a un autre historique qui est apparu. Alors je serais pas étonné, c'est vrai qu'on se dit, ouais, bah, tous les secrets ont été trouvés, tu dis n'importe quoi. Bah, pas forcément, vu qu'il y a un historique qui a été trouvé la semaine dernière. Donc regardez ici, le gars a réussi à tirer sur une boule bleue. Je sais pas exactement comment il a fait spawn cette boule bleue, mais il a réussi à tirer sur cette boule bleue qui est au loin. Et ça a fait un petit bruit. Donc, pour l'instant, sur Reddit, tout le monde est en train de dire, ouais, c'est une future étape pour un easter egg, pour un secret ou je ne sais trop quoi. Je vais laisser entendre le sort de bruit et vous pouvez me laisser votre avis dans l'espace des commentaires. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Comme d'hab, c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce vers votre avis dans l'espace des commentaires. Je vous dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace!